Salut à tous, c'est Nico et Yann, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce week-end pour une petite balade dans le parc de Chartreuse. Donc, parc de Chartreuse, c'est chez moi. Vous êtes les bienvenus, ça va être sympa. Ça va être sympa, on a quelques bornes à faire pour marcher, donc on va pas traîner. Ça va être une belle balade. Oh, il y a des chances, oui. Il y a des chances. Ça va bien le faire. Donc on va pas trop traîner et on espère que vous apprécierez la balade et la vidéo comme d'habitude. Bon les amis, on continue à grimper là. On a fait la pause casse-croûte un peu plus bas, on s'est régalé. Yann avait apporté de la charcuterie, du fromage à la coupe. Un régal. Bon, la petite lèvre. Là on arrive au pied du sommet de la Pinéa. On va continuer à grimper mais on va pas monter au sommet. On n'a pas beaucoup de temps devant nous et puis de toute façon c'est pas praticable, on n'est pas équipé pour. On va longer au nord en direction du Charmençon où on va trouver un spot pour poser le bivouac pour cette nuit. Ça y est, on a trouvé le spot pour passer la nuit. Ici, on a Yann qui a commencé à installer son tarp et moi, je vais en faire autant. Donc, je vais commencer par le tarp. Ensuite, mettre le tapis de sol à pas confondre avec le matelas. Par-dessus, je mettrai le matelas et ensuite le sac de couchage. Et il n'y aura plus qu'à passer à la partie la plus intéressante de ce séjour, la cuisine. N'est-ce pas mon Yann? Ah, si, clair.
Ok. Ah ouais, j'adore ça. Santé. La tienne, Nico. La tienne. Il est parfumé celui-là. Ouais. Vas-y, pose ta question. Ça a l'air bon, Yann. Qu'est-ce que tu nous cuisines? Alors, pour ce soir, c'est en gros, ça va être saucisse lentilles. C'est-à-dire, j'ai déjà cuit les lentilles. Hein. Là, je vais faire rissoler des petits oignons. Ensuite, je vais y jeter dedans la saucisse de morteau que j'ai coupée en petites rondelles. Là, avec un petit peu de vin, là, juste pour assaisonner vite fait. Et puis on jettera les lentilles dedans et ça devrait être pas mal là. Un petit plat d'hiver quoi, parce qu'il fait un peu frais alors. Un petit plat d'hiver, ouais, je suis assez d'accord. On se réchauffe quoi. Ouais. Bah écoute, ça a l'air sympa comme tout là ce que tu nous proposes. Ouais, ça devrait être bien. Ça a l'air sympa comme tout. Donc pour l'apéritif, on a bu le jeune épi. Pour le repas, il a prévu le vin. Ici, on peut apercevoir une superbe création de Julien Tex. Cette bonne vieille marmite zébra, une cuillère en châtaignier sculptée par Yann, et puis saucisse de morteau, hein, on vous la présente plus. Alors c'est pas des duos, c'est encore autre chose, mais c'est très bien aussi, c'est très bien aussi. Voilà, c'est de la protéine pure. Non, c'est du bon gras, c'est de la bonne calorie, c'est excellent.